Salut, notre dernière activité du système hormonal est divisée en deux parties. La première partie sera expliquée dans cette vidéo, c'est le codage du message hormonal. Et la deuxième partie, ce sont les étapes du fonctionnement de la thyroïde. Nous commençons par la première partie, codage du message hormonal. Un message hormonal est une réponse à des stimuli, c'est le pluriel de stimulus provenant de l'environnement ou des variations de l'état interne de l'organisme, comme par exemple une baisse de la température corporelle. Toute situation entraînant une variation du taux de l'hormone dans le sang a pour conséquence une variation de la quantité de complexes hormones récepteurs, et j'explique c'est quoi, qui sont formés au niveau des cellules cibles. Cette variation est à l'origine des changements de l'activité des organes cibles. Comme le montre la photo là, nous avons une glande endocrine qui va normalement sécréter ces hormones représentées là par les étoiles rouges dans la circulation sanguine. Et comme vous le savez bien, cette hormone va être entraînée par le sang vers tous les organes du corps. Mais en fait, elle ne va pas se fixer sur tous les organes. Qu'est-ce qui détermine cette fixation? C'est en fait la présence des récepteurs spécifiques de cette hormone. Tout organe ayant des récepteurs spécifiques pour cette hormone, que ce soit à la surface, que ce soit à l'intérieur de la cellule, soit au niveau du cytoplasme, soit au niveau du noyau, donc tout organe ayant des récepteurs spécifiques pourra fixer cette hormone. Voilà là, par exemple, en gros, c'est un organe qui n'est pas un organe cible de cette hormone. Donc, il n'a pas, pas de récepteurs. Il n'est pas capable de la fixer et par suite, pas de modification de son activité suite à la sécrétion de cette hormone. Pas de réponse. Par contre, là, il y a une réponse. Là de même, je parle alors de formation de complexes hormones récepteurs. Lorsque l'hormone va se fixer sur son récepteur, j'aurai ce complexe. Et en fait, plus il y a de complexes hormones récepteurs, plus la réponse va être importante. Moins il y a de récepteurs, moins il y a d'hormones fixées, moins la réponse va être importante. Donc en fait, j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'une grande concentration d'hormones. J'ai besoin d'un grand nombre de récepteurs. Et ça ne suffit pas parce que parfois il y a les deux, mais l'hormone n'arrive pas à se fixer. J'ai besoin aussi de la formation euh, d'un grand nombre ou bien d'une grande quantité de complexes hormones-récepteurs. Pour avoir une réponse importante de la part de l'organe. Donc, je dis qu'un message hormonal est codé en quantité de complexes hormones récepteurs. Rappelez-vous du codage au niveau du système nerveux on disait qu'au niveau d'une synapse, le message est codé en euh, concentration du neurotransmetteur. Plus il y a du neurotransmetteur fixé, plus la réponse sera intense au niveau du système nerveux. Et de même, là, au niveau du message hormonal, plus la quantité de complexes hormones récepteurs augmente, plus le message hormonal ou bien la réponse de l'organe sera importante. La question qui se demande là, c'est d'illustrer par un schéma fonctionnel ce que je viens d'expliquer. Donc, ils nous disent la variation de la concentration hormonale. Modifier le comportement des cellules cibles, illustré par un schéma fonctionnel. Ce que je dis schéma fonctionnel, c'est un schéma annoté avec des flèches euh, qui montrent ce qui se passe euh, au niveau de ce mécanisme. Donc, je peux le dessiner de cette façon. Voilà les hormones qui circulent dans le sang. Voilà euh, quatre types d'organes ou bien de cellules. L'une n'ayant pas de récepteur, la dernière ayant des récepteurs mais différents qui ne peuvent pas fixer cette hormone. Et les deux qui sont B et C ont les bons récepteurs. La cellule ou bien l'organe B a les récepteurs spécifiques en grande quantité, C a les récepteurs spécifiques mais en petite quantité. Donc le nombre de complexes hormones récepteurs est différent entre B et C. Ce qui aboutit à une réponse importante au niveau de B, je peux la dessiner par une flèche bien grande, bien large. Par contre, la réponse au niveau de C, elle est faible, donc je diminue la largeur de la flèche. Et de même, au niveau de A, il n'y a pas de réponse. Je peux même ne pas mettre une flèche là. Au niveau de D, de même. Et pour euh, expliquer davantage mon idée de réponse importante et non importante, je peux dessiner le graphe de la consommation d'O2 et j'explique. Lorsque l'hormone sera fixée sur l'organe ou bien sur la cellule, elle va déclencher la réponse de cette cellule. Ça veut dire la modification de son comportement. Il y a des réactions qui vont avoir lieu à l'intérieur des cellules ou bien de tout l'organe. Alors, pour qu'un organe travaille, il a obligatoirement besoin de O2 et de nutriments. Donc, plus l'organe consomme du O2, plus il est en train de travailler. Alors, moi, comment je vais savoir s'il a répondu à cette hormone, s'il est en train de travailler, oui ou non? Je vais mesurer le taux de O2 consommé. Alors, pour une réponse importante, comment doit être ce taux de O2? Bien sûr, il doit être bien élevé. Et voilà, là, je le dessine avec une augmentation importante. S'il y a une réponse mais qui est faible, le taux de O2 consommé ne sera pas très élevé. Et pour les cellules ou bien les organes A et D où il n'y a pas de réponse, le taux de O2 ne va pas varier, il va rester constant. Et voilà, je le dessine sous forme de ligne droite sans variation. Toujours avec le codage du message hormonal. Nous allons voir dans cette expérience l'action de l'hormone T3 sur la consommation de dioxygène par les organes d'un rat. Donc j'ai injecté de la T3 à un rat, voilà, au temps zéro. On a fait l'injection de l'hormone thyroïdienne et on mesure la variation de la consommation de O2. Pourquoi je mesure cette variation à votre avis Je viens de l'expliquer. Bien, puisque... Tout organe qui fonctionne, il consomme de O2. Si suite à cette injection de T3, par exemple, le cœur va consommer plus de O2, à votre avis, ce cœur, est-ce qu'il a fixé la T3, oui ou non? Bien sûr que oui. Donc, est-ce que c'est un organe cible à la T3, oui ou non? Bien sûr que oui. Donc de cette façon, en mesurant la variation de la consommation de O2, je vais pouvoir identifier les organes cibles à cette T3 et non pas seulement identifier les organes cibles, savoir quel organe a plus de récepteurs à cette hormone. Ce qui est demandé en premier lieu, c'est de traduire le graphe de la variation de la consommation de dioxygène du rat entier et de l'encéphale en un tableau. Donc, je vais utiliser uniquement l'encéphale qui est là avec le rat entier pour le traduire en tableau. Donc, imaginez un peu, essayez de réfléchir comment doit être votre tableau, essayez de le faire devant vous, où je dois mettre euh, ce qui est sur X et où je dois mettre ce qui est sur Y. Vous savez toujours dans un tableau, sur la première ligne, je mets ce qui est sur X, sur la deuxième ligne, je mets ce qui est sur Y. Mais là, j'ai plein d'autres choses à mettre. J'ai les valeurs, j'ai les organes. Alors, comment faire tout cela? Et voici la réponse. Donc, la consommation, ça doit être un O. Alors, je divise ma première case en deux parties. Je mettrai dans la partie supérieure le temps et je n'oublie jamais de mettre l'unité entre parenthèses, c'est en heures. Et je mets juste en bas la consommation de dioxygène avec l'unité en pourcentage. Puisque dans la première ligne, on est habitué de mettre tout ce qui est sur X, je mets donc les valeurs du temps. Qui sont mentionnés dans le graphe. Je ne change rien, je, je n'enlève rien et je n'ajoute rien. Donc c'est 0, 12, 24, 36, 48 et 60. Les voilà là. Et sur la ligne verticale, je mets tout ce qui est sur Y. Donc c'est la variation de la consommation. Mais je ne peux pas mettre là les valeurs parce que les valeurs vont changer avec le temps. Je mettrai les organes euh, que je désire. Euh, ou bien qui sont demandés dans la question, qui sont le rat entier et l'encéphale. Donc je mets le rat, le rat ce n'est pas la rate là, attention ce n'est pas un organe, c'est la souris entière, le rat. Donc je mets rat et encéphale et je vais extrapoler, par exemple là, à l'heure 12, je fais, je mène une perpendiculaire à X, une autre perpendiculaire à Y et je vais voir euh, euh, c'était de combien. Là, je trouve que c'était presque 220 pour le rat. Pour l'encéphale, il n'y a pas de variation. Donc, tout au long des 60 heures, c'est 200. Et ainsi de suite, je remplis le tableau. Je n'oublie pas de mettre tout ce qui est mentionné sur le graphe, surtout l'injection de l'hormone thyroïdienne à T0. Donc, je peux mettre soit une flèche là hors du tableau et écrire injection d'hormone thyroïdienne, ou bien je le mets... Comme je l'ai mis là dans la case du temps zéro. Je n'oublie surtout pas le titre qui est Y en fonction de X. Donc, variation de la consommation de dioxygène au niveau de l'encéphale et du rat entier en fonction du temps et pas seulement du temps, en fonction de l'injection bien en fonction de l'hormone T3 injectée.